Bon matin! Hey, t'es-tu excitée ce matin, Caroline? Oh, certain, je suis tout équipée pour aller voir des... On s'en va voir des phoques. On est justement assis sur le bateau. Du Phocatour. Puis là, on vient d'apprendre que ça s'appelle Phocatour. Sais-tu pourquoi? Oui, parce que le mot phoca, c'est seal ou phoque en latin. Donc, on utilise une troisième langue, pourquoi pas? Puis, la tour dure à peu près 2h30. Donc, si ça vous tente de faire comme nous autres, puis aller faire un beau tour comme ça, on sait aujourd'hui, on n'est pas chanceux au niveau de la température, mais c'est pas grave, on est très bien protégés ici. Mais si ça te tente, tu vas sur le site Phocatour, puis tu peux aller profiter de cette activité-là, soit entre amis ou en famille. On va justement demander à M. Vautour, voir à quel moment on peut aller se promener en bateau pour voir les phoques. Bonjour, mon nom c'est Arnold. Oui, les journées qu'on peut faire les tournées avec Phocatour sont tous les jours. On est situé à 5h de l'après-midi, à tous les jours. Et aussi, si vous louez le bateau au complet, nous, on vous choisit les heures que vous préférez. Puis aussi, on a situé aussi les mercredis, vendredis et le dimanche à 9h du matin. Donc, bienvenue. On se croise les doigts qu'on voit des phoques aujourd'hui. Moi, je suis bien énervée. J'ai croisé mes cheveux, tout. Ben, je pense qu'on va en voir. On est chanceuse, par exemple. Donc, reste à l'écoute parce qu'on vous revient avec d'autres images ou vidéos. Bye! Ben, c'est ça. On n'a pas encore vu des phoques, mais on admire le paysage, puis... On s'en va faire du genre de surfing avec un autre bateau? Yeah, parce que le bateau a manqué. Fait que là, on se fait tirer par un autre bateau. Tu sais, ben, fallait que ça nous arrive. Voyons, non. À qui ça arrive? À nous autres! Fait que là, ils sont en train de nous setter pour nous ramener au quai. Fait qu'on espère qu'ils vont réparer le bateau. Hein. Oui, pour être capable d'aller voir le phoque. Parce que là, c'est ça. En tout cas, on écoute les belles histoires de M. Vautour. Oui, on vous entertain. C'est vraiment intéressant. On s'ennuie pas. Donc, si jamais vous avez la chance de faire cette tournée-là en bateau, faites-le parce que il y a des belles histoires au niveau des Acadiens, ouais, au niveau historique là, de la région, puis tout ça, puis c'est riche. Donc, oui. Hey, on est chanceux, là, même sur le tour, qu'on n'a pas décollé encore, mais ça s'en vient là. Et on a des chips, puis des chocolate bar. On est bien gâtés, là, pas mal. Donc, aussitôt qu'on part avec le bateau, on vous laisse savoir. On vous laisse savoir. Bye! Bon matin! Donc, partout, Caroline, on s'essaye pour une deuxième fois. Fait que là, on se croise les doigts pour pas qu'il y ait rien qui arrive. Il fait vraiment beau aujourd'hui. On va profiter de ce beau temps-là. Fait que... Donc, on souhaite de voir des phoques. Oui! Puis apparemment, hier, il y en avait beau. Fait que, beau chance en avoir. OK, parfait. Donc, reste à l'écoute. On vous revient tantôt avec d'autres petites vidéos. Puis... Des bonnes vidéos. Des bonnes vidéos possibles. On s'essaye pour une deuxième fois, M. Arnaud? Oui. Sinon, un matin, j'ai mis de bonheur, j'ai démarré le moteur pour être sûr qu'il fonctionnait bien. Sur là, le moteur devait être en bonne condition. On se croise les doigts? Là, oui. Oui. C'est beau. Okay. Donc, on se voit tantôt. Bye. Okay, yeah. Yeah, Caroline, on a dépassé la dernière distance la dernière fois. Fait que là, on avance et le moteur va bien. On est 100 mètres depuis loin. Nous sommes 100 mètres depuis la dernière fois. On va bien. Ça va bien, là. Mais on est positif.
nombre de phoques qu'il y a là. Cool. Lots of seals for sure. Wow, Caroline, as-tu vu autant de phoques que ça dans ta vie? Non. À la même place? Non. Moi non plus, mais vraiment pas. C'est triste parce que là, on vient d'en voir un qui était blessé. Ouais, j'espère qu'il va bien aller. C'est pas fort. On va espérer qu'on espère qu'on espère qu'on va être bon. Non, mais c'est relaxant. Très relaxant. En tout cas, si vous n'avez pas eu la chance de faire la Phoket Tour, je vous encourage à communiquer avec M. Vautour. Ça vaut la peine. Puis, il est un bon guide aussi. Oui, il aime beaucoup jaser. Il connaît très bien ce qui se passe aux alentours. Donc, avec la bon région. Guide, oui. Très bon guide. Donc, faites comme vous autres. Ça. Et sur le bateau, Phoket Tour. À la prochaine!